What an inspiring talk. And I'm really excited to see that it has generated quite a lot of chat on Sparkle, especially among music lovers. So I'm going now to bring Marlène to the stage. Hi. Hi, everyone. Sorry, I would not answer questions in English, but believe me, it's really better for you and me. I doubt that, but just to make it easier for you, I'm going to translate. So for everyone else, keep asking questions in the chat. I'll read them in English first and then ask Marlène in French and translate the answer for you. So let's see if we can make it smooth. Are you ready? Est-ce que tu es prête? Oui. Oui. Okay. So first question. Did you choose to visualize the connections within this book because you were already a fan of many of the musicians, or did you start from a clean slate? And a comment, I think this was from Neil. I always assume that projects like this are even more satisfying if you're loving the data you find. Donc, en gros, la question, c'est est-ce que tu as fait cette vise parce que tu étais déjà fan de la plupart des musiciens, ou est-ce que tu as commencé à partir de zéro et ça s'est construit comme ça? Parce que la personne qui a posé la question, elle se demande si c'était plus satisfaisant aussi parce que t'aimais déjà la donnée. Oui, alors en fait, à la base, j'avais acheté le livre pour le lire. Je ne pensais pas du tout le visualiser. Et c'est en le lisant que je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. Et oui, c'est parce que le sujet me passionne. Sinon, je ne pense pas que j'aurais pu passer autant de temps sur cette vise si le sujet et si les musiciens en question ne m'avaient pas passionné. OK. So Marlène says that initially, she just bought the book to read it and then realized that it was really... interesting, and because she's passionate about music, she ended up creating a visualization around it. And she also added that if she didn't like the topic, she wouldn't have spent so much time making the visualization. Speaking of that, there's a question related to it. So given that this is such a huge and impressive personal project, have you experienced moments of discouragement of being fed up with it? And how did you find the tenacity to finish it? Donc, vu que c'était un énorme projet assez long, est-ce que tu as eu des moments de découragement et comment tu as trouvé la force pour terminer? Alors, pas trop, parce qu'en fait, le projet s'est étalé sur plusieurs années. J'ai même fait des pauses de plusieurs mois quand je n'avais pas le temps de travailler dessus. Donc, à chaque fois que je revenais sur le projet, j'avais un peu une énergie nouvelle et l'envie de m'y remettre. Je n'avais pas de deadline. Donc, je m'y mettais quand j'avais le temps et quand j'en avais envie. Et puis, au bout d'un moment, on a quand même envie de finir le projet. Donc, il y a une sorte d'énergie pour achever le projet et puis pas forcément pour passer à autre chose, mais en tout cas pour vraiment visualiser quelque chose de concret et puis de quelque chose qu'on va trouver joli, sympa. OK. So apparently this project took several years to make, and the reason why she wasn't discouraged at any point is because she would work on it a little bit and then sort of put it aside and come back to it. And Marlène says that every time she came back to it, there was this new energy, new motivation that kept her going, and seeing it take shape also encouraged her to work harder to make something nice to look at with insights about the music industry. Okay, so next question. The person who asked the question is starting with a comment that this is stunning. We all agree. So for project one, they're curious which part was the most challenging or time-consuming, collecting the data or producing the visual? Qu'est-ce qui était le plus dur et le plus long, collecter la donnée ou faire la visualisation en elle-même? Pour le projet 1, collecter la donnée, quelque part, c'était assez simple puisque c'était un livre, en fait. Donc, j'avais juste à suivre le déroulé du livre. Et comme je visualisais quasiment en temps réel, en fait, la visualisation évoluait elle-même. Donc, j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir beaucoup de travail de collecte de données. En fait, les deux étaient liés et ça a très rapidement pris la forme d'une visualisation. Ok, mais du coup, c'était quand même assez long. C'était pas compliqué, mais long si tu lis un livre et tu dois prendre des notes. Oui, mais j'ai du mal à séparer la collecte de la visualisation, puisqu'en fait, je faisais un peu les deux en même temps. Donc, j'aurais du mal à dire ce qui m'a pris le plus de temps. Ça serait quand même la visualisation au final. Ok, so it's a little complicated to say what took the most time, because the way she worked was...
sort of doing both data collection and data visualization in parallel, which means that while she was reading the book, she was taking notes in real time and then making the visualization little by little. So it's a bit hard to choose in between the two, but if she had to choose, she would say that the visualization was longer because data collection to her was just reading a book that she was excited about. So that doesn't seem to trouble her too much. All right. Have you thought of any other fields of thought to apply it to? Est-ce que tu as déjà considéré le même type de visualisation pour d'autres domaines? En fait, j'ai tellement d'autres idées, envies dans la musique que peut-être un jour, quand j'aurai tout exploré, mais je pense qu'en fait, j'ai encore énormément de choses à explorer dans le domaine de la musique et que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc, peut-être que quand j'en aurai marre, je chercherai un autre sujet, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai imaginé projet autour de ça et ça continue pour l'instant. Si la personne te propose une collab, peut-être que tu refuses pas. Oui, bien sûr. So for the moment, Marlène says that she has still so many ideas for similar projects in the music industry that she's not considering any other domains just because, like she mentioned in her talk, there are so many other groups and influencers that she would like to visualize. However, if the person who has the question has any ideas and want to do a collaboration, feel free to reach out to Marlène and suggest that. Okay, how much time do we have? I think we still have 10 minutes. So let's see if we can get through a few more questions. I love your project because I love geeking about punk scenes too. I have questions about Jiffy, so the tool that Marlène used for the network visualization. I'm always confused by all the options for the various layouts available in Jiffy. I think they're not the only one. Do you always go with the one that lays things out roughly in a circle? Or do you feel that the data sets you work with are particularly suited with particular layout types? Donc dans Jiffy, apparemment, il y a une espèce de layout en cercle. Ou est-ce qu'il y a des layouts différents en fonction de tes données? Pour le coup, je ne m'y connais pas. Donc, oui, c'est des spatialisations. Après, ça m'embête d'en parler parce que je ne maîtrise pas du tout le sujet. Mais il y a plusieurs... on peut spatialiser de plusieurs façons différentes. Et on peut spatialiser. Ben là, moi, j'ai choisi en rond pour définir un certain espace parce que je n'avais pas énormément de temps en fait, pour finaliser, enfin pas pour finaliser parce que je ne l'ai pas finalisé ce projet, mais pour faire mes recherches. Il existe d'autres spatialisations. J'en avais testé rapidement, il y en a d'autres qui auraient pu fonctionner aussi. Et après, encore une fois, comme je l'ai dit dans le talk, je suis très limitée pour l'instant sur Jiffy et donc je ne préfère pas m'avancer plus que ça sur le sujet. Mais je vais m'y former dans les prochaines semaines, les prochains mois. Okay. So Marlène says that her Jiffy skills are not very advanced just yet, but she will learn them. So it's a little complicated to answer this question. However, for this visualization that she also hasn't finished yet, so it was the second one in her talk, she did choose this circular layout, if that speaks to any one of you, but she's planning on developing her Jiffy skills. So if maybe in some of the next talks, we can hear more about it. If there are any Jiffy experts in the audience, feel free to sign up for an unconference session, and I'm sure you'll have a big turnout. Another question. Manchester and Portland are not very famous to be beautiful or fancy. In your opinion, is there a link between the fact that there's not very much to do with the fact that everyone is a little bit a musician? I'm asking because I come from a small and boring place and everyone there played an instrument because the other option was doing drugs. Donc, puisque Manchester et Portland sont pas très connus pour être beaux ou fancy, et là je cite juste la personne puisque je vais pas me prononcer dessus, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre ça et le fait que tout le monde est un peu musicien, comme tu disais pour Portland, parce qu'il n'y a pas vraiment autre chose à faire? Alors pour Manchester, clairement, c'est ce qui ressort du livre. En fait, Manchester, par faire de la musique et puis traîner entre potes, il n'y avait pas forcément énormément de choses à faire. Par contre, pour Portland, je ne suis pas d'accord. Enfin, moi, j'y suis allée pas très longtemps, mais j'ai adoré. Je trouvais ça vraiment cool et je trouvais qu'il y avait vraiment plein de trucs à faire.
Donc, pour Portland, je ne me prononcerai pas. je sais pas que je ne me prononce pas, c'est que je ne suis pas forcément d'accord avec cet avis. Après, j'ai l'impression que les raisons sont vraiment différentes pour les deux. Manchester, donc il y a vraiment cet ennui. Il y avait aussi, je crois que c'est aussi corrélé avec des périodes de chômage, etc. aussi, où voilà, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Pour Portland, j'ai plus l'impression que c'est vraiment l'influence de tout le Pacifique Nord-Ouest, en fait, que c'est un ensemble. Alors pourquoi? Peut-être que parce que il y a moins de soleil que dans le sud avec la Californie ou avec donc peut-être que quand il y a moins de soleil, on fait peut-être plus de musique. J'en sais rien en fait. Okay, so Marlene doesn't seem to be very completely aligned with the person who asked the question. So she says that from the book, it does sound like in Manchester it was one of these reasons, as in there was maybe nothing better to do, not to generalize it or be mean or anything, but it also seems to be coupled with some periods of unemployment and difficult times during which people probably looked for other activities. And for Portland, she says that she's been there recently and that she really likes the city, so she doesn't really agree and says maybe there's a bit less sun, but other than that, it seems fun and lovely to her. Je n'y suis pas allée récemment, hein. C'était il y a 13 ans, donc ça date. Mais donc voilà, c'est pour ça que je... Mais en tout cas, à l'époque, j'avais trouvé ça vraiment cool. Et je ne suis jamais allée à Manchester, mais je ne comparerai pas du tout... j'ai pas du tout la même impression pour les deux villes. Donc voilà. So I've been corrected. She went to Portland 13 years ago and not recently. So just so you know, this is what she just said. And says that she's never been to Manchester, so cannot really tell. Our next question is about the colors you use. So where did you get inspiration for the color schemes? And there were quite a few comments in the chat from people saying that they really loved how you used bright colors on a dark background. So quelle était ton inspiration pour les couleurs? Et aussi plein de compliments sur le fait que ce sont de très belles couleurs sur un fond noir. Alors, il y a une personne que pour la couleur que je suis beaucoup, c'est Lisa Charlotte Rost. Donc voilà, qui m'inspire beaucoup pour... Je suis beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle écrit sur le blog de Data Whopper. Donc je pense que... Je ne me souviens plus exactement, mais je pense que je suis partie de là. Et ensuite, très rapidement, j'ai vu que ça fonctionnait mieux sur fond noir. Et j'ai essayé d'avoir des choses qui ressortent... qui ressortent suffisamment. Je n'ai pas forcément plus de détails, mais voilà, souvent je pars du travail de Lisa Charlotte Rost. Ok. So this, her answer is actually very exciting because she says that she, most of the time, she gets inspired by the work of Lisa Charlotte Rost, or Lisa Charlotte Muth, I think you pronounce it now, because she got married recently, so now she has changed her name. And she actually held an unconference session literally an hour ago that was very, very successful. So Lisa, if you're still here listening to us, shout out to you and everyone else. Marlene says that she follows her work very closely and it helps her choose colors for her projects. All right, we have 3 minutes left. Let's see if we can do at least one. So obviously amazing work. I would like to know a bit more about the workflow between Gephi and the final results. Did you use Photoshop at the end of the process? Donc, ton workflow entre Gephi et ce que tu as fait après, est-ce que on demande est-ce que tu as utilisé Photoshop ou d'autres outils et comment tu as mélangé les deux? Alors, j'ai exporté un SVG depuis Gephi et je l'ai importé dans Illustrator. Et ensuite, j'ai appliqué exactement le même process graphique que pour Manchester. Ça me permettait, comme je l'ai expliqué, de visualiser plus rapidement, de m'approprier plus rapidement la vise. Mais je ne suis pas du tout passée par Photoshop. C'est vraiment, ça, c'est vraiment super quand on peut exporter un SVG. Comme ça, on peut le rouvrir dans Illustrator et le travailler directement. Okay, so no Photoshop was used in the project, but she did use Adobe Illustrator. So what she did is... She exported the Gephi file into an SVG file and then worked with it in Illustrator. Okay, I think 2 minutes.
Let's take one more question if you're still up for it. I love how you show relationships between so many people and entities. Could you foresee expanding on the Riot Girl work to look at other artistic movements? Donc la personne dit qu'elle trouve ça très chouette comment tu montres beaucoup de personnes et d'entités. Elle demande si tu envisages à élargir ton travail sur Riot Girl, dont tu as parlé à la fin, et regarder d'autres mouvements artistiques. Je pense que je suis à peu près avec la traduction. Alors oui, le mouvement Riot Girl, j'ai vraiment envie d'explorer et de le visualiser. Sous quelle forme, je ne sais pas encore exactement. Je sais pas, c'est encore assez flou. Mais je sais que j'ai très envie de le travailler dès que je pourrai. Pour d'autres mouvements, pour l'instant, je ne sais pas. Après, c'est vrai que tout ce qui est en lien avec la musique, le féminisme, sont des sujets qui m'intéressent. Donc, si ça peut lier, pourquoi pas. Après, je ne sais pas, je peux aussi sortir complètement de la musique, pourquoi pas. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'un projet en amène un autre. Travailler sur un projet amène sur d'autres pistes qu'on n'aurait pas forcément envisagées tout de suite. Et donc, les choses comme ça, c'est comme un chemin, en fait, qui se trace. Et il y a des pistes comme ça, enfin, des idées, des sujets qui apparaissent sur ce chemin. Donc je verrai bien ce qui se présente sur mon chemin. All right, so to sum it up, she's still up for many other projects in the music domain, and she feels that every time she embarks on a new project, it brings other ideas, just like we saw in the talk, I think. And she's open to those different paths that will open up while working on the upcoming projects that she already mentioned. So this is all the time we have for the questions, but there are quite a few things still in the chat and in the talk notes, so if you want to take a look at them afterwards. Je t'encourage vraiment à regarder le chat parce qu'il y a plein de choses chouettes et les talk notes, si tu veux mettre des réponses en français, on les traduit, tu verras comme ça t'arrange. So thank you for joining us. I hope you enjoyed it. And see you out there. Et merci pour la traduction, Evelina. Je t'en prie. Thank you. Bye-bye.